Bonjour à tous, bienvenue dans Culturel, les garçons et Guillaume à table. Vous vous souvenez sans doute de ce film. Eh bien, c'est également une pièce que le comédien Jean-François Breuer vous présentera bientôt. Il est l'invité de Culturel. Au sommaire également, le spectacle Répercussions Heidi proposé par le collectif du Lion à la Cité Miroir. Une expo aussi, Equinox automnale, une exposition collective à voir à la Galerie d'Art de Liège, Galerie Opéra. Notre invité est donc Jean-François Breuer. Jean-François, bonjour. Bonjour. On vous retrouve ici, on est accueilli à la salle des Chiroux où vous présenterez ce spectacle Guillaume et les garçons à table. Ce sera le 21 octobre dans le cadre du Vous Rire. Il y aura d'autres dates en province de Liège. Ce spectacle, qu'est-ce qui vous a intéressé dedans au point de vouloir le porter vous aussi sur scène? Bien, c'est le sujet évidemment. C'est un peu le coming out inversé. Donc voilà, donc c'est une histoire qui me parle beaucoup sur une identité, une recherche de soi, sur son identité sexuelle, parce qu'on est beaucoup dans le genre aussi, hein, pour le moment. C'est très actuel, malgré que ça a été écrit quand même il y a 20 ans, ou 10, 15 ans, je ne sais plus exactement. Mais voilà, c'est une pièce qui m'a beaucoup touchée. Enfin, j'avais vu le film et j'ai relu la pièce, et qui est aussi bien, et c'est écrit d'une façon remarquable. Et le sujet est tellement d'actualité que j'ai eu envie de remonter cette pièce. Les garçons et Guillaume à table. Oui, maman. Maman, on arrive! Dépêchez-vous, il y a maman qui nous appelle pour déjeuner! Mais si elle vient de dire les garçons et Guillaume à table! Je vous dis qu'elle vient de dire les garçons et Guillaume à table! Brouillez-vous, parce que sinon, vous allez vous prendre une raclée! Non, moi non, parce que maman et moi, on s'aime plus que n'importe qui! Ah, maman, que toi et moi, on s'aime plus que n'importe qui! Ah, quoi? Bon, maintenant, vous vous asseyez tous les trois et vous bouffez, parce qu'il y en a ras de bonne mère! Je la résume en quelques mots. Donc, Guillaume est un jeune homme. Il a deux frères. Il vit avec son père et sa mère. Il est manifestement très attaché à sa maman. Et tout le monde le considère comme étant homosexuel. Tout à fait. On va se rendre compte que ce n'est pas aussi simple que ça. Voilà, en fait, c'est l'histoire d'un garçon qui, sous prétexte qu'il est né au milieu au moment où des tabous sexuels sont tombés, il s'est vu étiqueté par sa famille, par le monde même, hein, par les gens qu'il côtoyait, d'une identité sexuelle avant même de pouvoir la découvrir quand il était jeune. Donc voilà, depuis tout petit, on lui dit qu'il est homosexuel, et lui, à un moment donné, on lui dit qu'il est une fille d'abord, parce qu'il croit qu'il est une fille, puis après il apprend qu'il est homosexuel, mais lui ne se considère pas comme homosexuel. Et donc voilà, c'est une quête de la recherche de soi et de son identité, en fait. C'est hyper difficile d'être viril, non? Franchement. Être obligé d'avoir tout le temps les jambes écartées comme ça. C'est comme le sport, mais quelle angoisse! J'ai essayé, hein? Non, vraiment? Déjà en Angleterre, ils ont voulu me faire jouer au rugby. Premier mec qui m'a plaqué, je suis tombé dans les pommes, terminé. Le film a beaucoup marqué les esprits au moment où il est sorti. Il a aussi révélé Guillaume Gallienne au grand public, qui était déjà connu comme comédien. Mais il y a une particularité dans ce film, Guillaume Gallienne joue plusieurs rôles. Voilà, oui, c'est ça. En fait, il joue son histoire et il joue tous les personnages, dont sa maman, son papa, lui-même. Et ça, c'est dans la pièce où ça, il joue tous les personnages. Mais même dans le film, effectivement, il y a sa maman est représentée par lui. C'est lui qui joue sa maman, mais son papa n'est pas représenté par lui, effectivement. Mmh. Pourquoi pensez-vous a-t-il voulu interpréter lui aussi sa maman dans le film? Disons que depuis tout petit, il se compare à sa maman, il veut ressembler à sa maman dans la pièce, il veut vraiment ressembler à sa maman pour qu'on croie que c'est une fille, vraiment pour faire plaisir à sa maman. Voilà, donc lui, son exemple, c'est son exemple ultime de la femme parfaite, c'est sa maman. Donc voilà, donc il essaye de ressembler le plus possible à sa maman, et je pense que dans le film, évidemment, il a tellement essayé de ressembler à sa maman qu'il a, à mon avis, voulu jouer tout ce rôle aussi également. Elle est géniale, ma mère. En fait, je crois qu'elle n'a aucun défaut. Elle oscille toujours entre une très grande chaleur. Vous voulez boire quelque chose et un froid glacial. Eh hey, oh, vous voulez boire quelque chose? Un Perrier. Bah dites-le, mon vieux, je veux dire trois plombs pour nous sortir quoi? Un déca et un Perrier. Faut pas charrier, va la chercher, un déca et un Perrier. J'arrive hyper bien à l'imiter, ma mère. Un déca et un Perrier, pas charrier. Ses gestes, sa manière de parler et tout, c'est génial. Non, merci. Alors vous nous disiez, dans la pièce, c'est lui qui joue tous les rôles. C'est un solo, un one-man show en quelque sorte. Voilà, c'est ça. C'est pour ça, mais le film, je l'ai vu à la création quand il est sorti, donc je n'ai pas voulu le regarder pour ne pas être influencé en créant la pièce avec Patrice Meg, le metteur en scène. Et donc, oui, ce sont des personnages
qu'on doit interpréter, puisque c'est un seul en scène, qu'il faut changer, qu'il faut essayer d'imaginer. Et c'est des moments incroyables à chercher. Donc ça veut dire qu'en une fraction de seconde, vous allez passer du rôle du fils au rôle du père, donc sans changement de costume ni rien du tout. Comment on gère ça quand on est comédien ? Ah ben ça, c'est une question de rythme. On essaie, bon, c'est beaucoup de répétitions aussi, hein, pour avoir bien le rythme de passer de Guillaume à la maman de la maman de Guillaume à Guillaume, de papa de Guillaume à Guillaume, parce que Guillaume revient toujours, puisque c'est lui qui est vraiment le centre de la pièce. Donc c'est un jeu d'axes. Voilà, il faut un axe, un autre, pour que ce soit clair pour le spectateur. Parce qu'on n'a pas le temps, évidemment, je n'aurai pas le temps de changer tout le temps, de mettre une perruque, de mettre des lunettes, de mettre un... Donc voilà, les codes seront donnés au début et... J'espère que ce sera limpide, évidemment, pour le spectateur, mais je pense que ce sera c'est assez limpide, puisque le texte, comme je disais, est très, très, très bien écrit. Ce qui vous a plu donc, dans ce spectacle, c'est la question traitée, la question de l'identité, mais c'est aussi un challenge, finalement, pour vous. Oui, tout à fait. Bah, c'est toujours un seul en scène et toujours un challenge, en tout cas pour moi. Voilà, devoir tenir pendant 1h20 seul devant un public, mais c'est aussi jouissif de pouvoir tenir, évidemment, seul devant un public et d'attaquer quand même un monument, parce que le film a quand même été un très très gros succès. Et la pièce en France a été jouée très très longtemps, à la Comédie Française d'ailleurs. Donc voilà, c'est vrai que c'est un très gros challenge. Mais voilà, si on n'a pas de challenge, on n'aurait pas envie de faire ce métier. Bien sûr. Alors le film, je pense, a eu 4 Césars au moment où il est sorti. Tout à fait, oui. Du côté pièce, côté théâtre, Guillaume Gaillen avait reçu la révélation, le Molière de la tout révélation théâtrale. Oui. Donc, c'est vrai que les enjeux sont assez élevés. Guillaume Gaillen, c'est aussi un personnage en lui-même. Il a une dégaine, il a un phrasé, il a une tête très particulière, je trouve, un visage très particulier. Évidemment, vous n'allez pas pouvoir vous glisser dans sa peau à lui. On va conserver Jean-François Breuer. Oui, tout à fait. Ben, ça, c'est aussi ce qu'on voulait avec Patrice, rester vraiment fidèle à... Comme si c'était mon histoire, surtout. Voilà. Ne pas essayer de faire Guillaume Gaillen, parce que je ne suis pas Guillaume Gaillen, et Guillaume Gaillen et Guillaume Gaillen, c'est son histoire. J'essaie de respecter au maximum cette histoire qui est quand même très drôle, mais pas que, et très touchante, mais pas que. Et donc voilà, on a essayé avec Patrice, et on essaye toujours, puisque je suis toujours en création, à faire illusion que c'est mon histoire. Donc essayer de m'approprier un maximum tout ce qui s'est passé dans sa vie et essayer de le rendre le plus vrai possible au spectateur. Mmh. Ça, c'est le but. Si le spectateur a l'impression que c'est mon histoire, alors là, je pense qu'on a gagné avec Patrice. Alors, vous l'avez dit, cette pièce, elle n'a pas été écrite récemment. Peut-être plutôt, elle révèle une situation qui date peut-être des années 90, où on pouvait commencer à révéler sa vraie nature. Il y a un retournement de situation dans la pièce, dans le film. Finalement, Guillaume Gaillen n'est peut-être pas celui qu'on imagine qu'il est, en tout cas, tout à fait, que l'on voudrait qu'il soit. Ça vous parle, vous, ces questions d'identité assignées ou révélées? Oui, bien sûr, tout à fait. Je veux dire, le monde entier, enfin nous, êtres humains, on a tendance à juger tout de suite l'autre par rapport à sa façon de marcher, par son apparence. Et c'est légitime puisqu'on fait toujours ça. On voit un garçon qui est un peu plus efféminé, on se dit « Ah bah tiens, lui, c'est sûrement homosexuel. » On voit une fille un peu plus masculine, elle est sûrement lesbienne. Enfin voilà, je veux dire, on est dans le jugement en permanence, dans la rue, quand on croise quelqu'un et qu'on ne connaît pas. Et au fur et à mesure qu'on essaye de le connaître, on a même encore, de temps en temps, mais il n'assume pas. C'est pas possible, il n'assume pas. Voilà, et donc cette histoire de coming out inversée me parle beaucoup, et à Patrice aussi, parce qu'on a un peu vécu l'inverse. Moi, j'ai dû faire mon coming out, et lui a dû faire son coming out inversé aussi. Mm-hmm. Donc beaucoup de gens ont décidé qu'il était homosexuel, alors qu'il est hétéro, qu'il a des enfants, qu'il a une femme et qu'il est très heureux. Et moi, ben voilà, c'est l'inverse. Donc moi, j'ai subi, étant petit, d'avoir des réflexions en se disant « il est homo, il est homo », avant même que je le sache moi-même. Donc c'est très difficile de se dire « mais je ne connaissais même pas, je viens de Stambert, donc d'un village où on ne parlait pas de ça, évidemment. » Donc c'est perturbant et c'est ce qui se passe toujours aujourd'hui. Mais bon, maintenant, évidemment, on est dans le genre, plus dans la sexualité. Je veux dire, maintenant, c'est le jugement de genre. Est-ce qu'on peut être un garçon en étant une fille? Est-ce qu'on peut être une fille en étant un garçon? Ben, je pense que oui. En fait, moi, ce que je voudrais, c'est qu'on arrête de... On met de plus en plus de cases, ce qui me paraît logique pour pouvoir assumer tout. Mais à un moment donné, il va falloir toutes les détruire et se dire simplement « bonjour ». En fait, sans devoir revendiquer qui on est, parce qu'on est, tout simplement. Voilà. Il y a le regard des autres, puis le regard de la famille, et puis ici, le regard de la maman, parce que, vous l'avez évoqué, la maman, elle a un peu construit Guillaume comme ça, elle voulait une fille. La pièce était aussi une sorte de cri d'amour de Guillaume vis-à-vis de sa maman, pour lui dire « je ne suis pas une fille, mais je t'aime toujours ». Tout à fait.
Oui, Guillaume, en tout cas dans la pièce, comme je l'ai interprété et que je l'ai lu, il est fou amoureux de sa mère. Pour lui, c'est l'idéal. Et sa maman, elle, est très très froide avec lui. Donc il essaye, en fait c'est une quête d'amour de sa mère qu'il cherche pendant toute la pièce. Et sa mère n'arrête pas de l'envoyer péter. D'ailleurs, il se prend des gifles tout le temps. C'est vraiment une histoire qui, je veux dire, ce n'est pas une tragédie, hein, on est d'accord. C'est très bien écrit, c'est très très drôle. Mais effectivement, c'est très dur, mais il n'y a rien de plus drôle que les choses les plus dures, évidemment. Et donc voilà, les situations sont horribles, mais très drôles. Maman, j'ai rêvé. Il y en a plein qui vivent très heureux. Il y en a plein de quoi? Tant que t'as pas essayé, tu peux pas savoir. T'as toujours eu peur des chevaux. Forcément, ça peut pas marcher. Les questions d'identité, ça vous parle? Parce que dans votre spectacle précédent, Frédéric, vous interprétiez quelqu'un qui était le sosie de Freddie Mercury. Tout à fait. Alors qu'il aurait rêvé d'être le sosie de Bowie, si je me souviens c'est bien. C'est tout à fait. Ben, il était à une quête d'identité aussi, d'essayer de trouver lui ce qu'il était. Il a pris la personnalité de quelqu'un d'autre à l'époque. Et en fait, il voulait juste être lui. Donc voilà, et c'est un peu ici comme les garçons. Oui, c'est un thème qui me parle beaucoup, effectivement. C'est vrai que c'est deux fois un peu le même thème avec des choses totalement différentes, hein, c'est bien sûr. Mais c'est vrai que juste être soi et de pouvoir dire, ben voilà, je suis comme ça, si ça ne te va pas, ben... Ce sera comme ça quand même. Vous jouez ici le 21 octobre dans le cadre du Vous Rire. C'est important d'être intégré dans un festival de cette ampleur? Ben oui, c'est toujours important. C'est parce que c'est un festival qui a une visibilité très très grande. Et donc c'est important pour lancer. En tout cas ici, c'est le début de la tournée. Donc ça va être, j'espère que ça va porter et que ça va pouvoir amener, comme Frédéric qui a été amené... partout en Belgique. 120 représentations. Voilà, 120 représentations, oui, tout à fait. Donc j'espère arriver au même chiffre en Belgique, évidemment. Donc voilà, oui, c'est très important de faire partie et je remercie évidemment le Vous Rire de sa confiance parce que là, pour le coup, ils n'ont pas vu la pièce, il y a juste la renommée et voilà. Ils vous ont fait confiance. Voilà. Vous êtes dans quel état d'esprit avant de franchir pour la première fois la scène devant les spectateurs? Vous êtes déjà assez avancé dans les répétitions, mais finalement, c'est quand même dans 2-3 semaines que vous commencerez vraiment à jouer. Oui, tout à fait. Ben là, pour le moment, je suis dans un état d'excitation, toujours. Enfin, toujours, je serai dans un état d'excitation. Il n'y a pas encore le stress, etc. Donc là, je vais découvrir, en fait, mon décor aujourd'hui, justement. Donc, il ne sera pas aujourd'hui, évidemment, lors de la diffusion, mais je vais dire, c'est vraiment... Ben là, je vais jouer avec les accessoires, le décor, je vais découvrir. Donc, il va de nouveau avoir des accidents, des maladresses. Donc là, pour le moment, c'est vraiment un moment que j'aime beaucoup. Ben, on découvre, je joue, j'essaye des choses. Mon metteur en scène me dit non, ça ne va pas, fais ça. Donc, on est vraiment dans une création. Donc, c'est vraiment l'excitation au maximum. Et c'est vrai que le jour de la première à Sambreville sera un peu plus... Je vais être excité, mais à mon avis, je vais avoir très, 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 très peur. Et beaucoup de tracts aussi, beaucoup évidemment. De tracts. Oui, tout à fait. Mais bon, après un quart d'heure, j'espère que ce tract va partir et que ça va fonctionner. Mais ça, c'est comme ça que ça marche nous le dira, à chaque fois. Oui, tout à fait. je reviens au spectacle lui-même. Moi, j'ai le film en tête, je n'ai pas vu la pièce. Oui, oui. Dans le film, il y a plein de scènes qui peuvent sembler cultes, évidemment, qu'on aura retenues en fonction de sa sensibilité. Je pense à la scène de la piscine où Guillaume tombe amoureux d'un nageur et puis se rend compte que vous n'avez pas vu le film. Donc, est-ce que vous, il y a une scène malgré tout qui vous a marqué, que vous voulez accrocher dites, moi, la ça, scène je que je retiens du film et surtout qui est très forte, qui est dans la pièce aussi, c'est la scène de Sissi et l'archiduchesse, sa belle-mère, l'archiduchesse Sophie, qui est une partie qui est tellement drôle et touchante parce que bon voilà, il est en admiration avec Sissi et l'archiduchesse Sophie et il se retrouve comme un enfant dans la chambre et dans la pièce. Il faut retrouver cette innocence de l'enfance et qu'il avait dans le film. C'est vraiment une scène que je me souviens très, très bien. Mon enfant, il faut que je te parle. Approche, que je t'examine. Je te trouve une très mauvaise mine. Tu es pâle, tu es verte. Tu devrais prendre l'air, faire du cheval. Oh, ma mère, je veux quitter Vienne et la cour. Je ne supporte plus le poids de l'étiquette. Je ne trouve pas l'amour et la tendresse dont j'ai besoin. La cour d'Autriche suit une étiquette très stricte qui nous vient d'Espagne. C'est le cérémonial de Charles Quint. Nul ne peut s'y soustraire. Mais qu'est-ce que...
Je suis en pleine audience privée, bordel! Oh, mon papilly, emmène-moi dans la forêt. Mais qu'est-ce que tu fous? Et quoi, ça? Quoi, ça? Donc, on retient Les garçons et Guillaume à table, un spectacle drôle et touchant à la fois. Voilà, c'est drôle, mais pas que, et touchant, mais pas que, voilà. Et vous serez ici en représentation le 21 octobre. La tournée débute en province de Liège, mais elle se poursuivra un peu partout. Et on vous suit sur votre site internet pour en savoir plus, bien évidemment. Avec plaisir. Merci beaucoup, Jean-François Breuer. Je rappelle donc que vous êtes ici, dans la salle des Chirou, le 21 octobre, dans le cadre du Vous Rire pour Les garçons et Guillaume à table, un spectacle dont la tournée débute en province de Liège, mais que vous jouerez un peu partout, bien évidemment, à de très nombreuses reprises. On enchaîne avec une autre création, Répercussions Heidi, proposée par le collectif du Lion. C'est un spectacle hybride qui unit des musiciens de jazz, des danseurs hip-hop et une conteuse chanteuse. Ce sera à voir le 6 octobre à la Cité Miroir et cela porte sur la question de l'identité. Ce soir, c'est dans cette polyphonie des auteurs, des langages, que je vous invite à un voyage curieux. En 2020, le collectif du Lion avait créé un spectacle pour l'ouverture à Bruxelles du festival Origine Alias, qui explorait le thème des identités. Il faut dire qu'en 2020, on était vraiment au cœur de toutes toute la question d'identité, particulièrement en France. On était Zemmour et compagnie, etc. On voulait absolument sortir du communautarisme. Et donc, on essaie de traiter cette thématique de manière plus globale en parlant du vivant. Et le vivant, c'est aussi animal, végétal, humain. Le collectif a cherché à interpréter ce qui pouvait être l'ADN de cette question de l'identité et de ses déclinaisons multiples. Un démon arriva avec un cadavre sur l'épaule et le laissa choir. On s'est dit qu'il y avait trois choses qui pouvaient rassembler un ADN universel pour traiter de manière large cette thématique. C'était les mots, le mouvement et la musique. S'élabore alors un spectacle hybride, Répercussions Heidi, qui associe quatre danseurs hip-hop et contemporains, la comédienne Farida Bouchraf et la nouvelle section rythmique du Rêve d'éléphant Orchestra, les huit artistes associant musique, danse, chant et texte. Au niveau des textes littéraires, on a des extraits de Fatou Diome, la franco-sénégalaise, un extrait de... Là, elle, c'est plutôt les aspects politiques de la question. Vincent Després, l'aspect des oiseaux, la question de l'identité à travers les oiseaux. Peter Vollehem, je prononce plus ou moins bien, sur les arbres. Répercussions Heidi espère rappeler la beauté de la rencontre, de la créativité, de la biodiversité. Qu'est-ce qu'on essaie de susciter? C'est de permettre aux spectateurs de comprendre ou de sentir que l'identité, ce n'est pas une seule chose, mais qu'elle est multiple, qu'elle peut être contradictoire, qu'elle peut être paradoxale, qu'elle peut être parfois difficile à être définie. La démarche est politique, philosophique, mais avant tout poétique. Au-delà de l'intellect, elle interpelle physiquement le spectateur. Répercussions Heidi est à voir le 6 octobre à la Cité Miroir. Raised in another, lived in several, traveled in many, mais je ne parle que de langue. Un autre rendez-vous, une exposition équinoxotonale à voir à la Galerie d'art de Liège, Galerie Opéra. C'est à voir jusqu'au 29 septembre. C'est une exposition collective qui réunit 8 artistes autour de la peinture, de la photographie ou encore de la sculpture. Huit artistes pour l'exposition de rentrée à la Galerie d'art Liège. Un foisonnement que l'on débute avec Valérie Gangolf, qui s'est lancée en autodidacte et présente aujourd'hui une série aux couleurs mordorées. Dany est venu tard aussi à la peinture. Le blanc est très présent dans ses acryliques sur toile y apportant beaucoup de lumière, comme dans ses autoportraits. Mais tous les thèmes peuvent l'inspirer. Je n'aime pas de rester dans un créneau. J'aime bien de voyager un peu. C'est toujours par hasard. C'est le hasard qui me conduit. La Galerie d'art accueille aussi les sculptures de Jean-Luc Bosquin. Lorsqu'il crée, il a l'impression de toucher au divin et vit un véritable mariage avec la terre dont il façonne ses personnages. Donc c'est ce que j'aime dans la terre, il y a ce mélange de la terre et de l'eau. Et puis il y a la cuisson avec le feu.
Et puis il y a l'air qui donne tout son travail, en l'occurrence sur les oxydes, puisque je travaille avec des oxydes de fer, et aussi avec des vieilles pièces métalliques que je récupère et qui ont vieilli avec le temps. Native du Kyrgyzstan, Lyudmila Portniagina s'est lancée dans la peinture à son arrivée en Belgique. Après l'abstraction, elle s'est tournée vers le figuratif et surtout inspirée par la nature. Je réagis à mes émotions de temps réel. J'applique les couleurs qui, à ce moment-là, qui m'inspirent plus, qui est plus chaud au cœur. Parfois, ça joue avec le soleil, ça peut jouer avec la pluie. ADM puise, elle, son inspiration dans les événements de sa vie et propose des tableaux faits de couleurs et de collages dans un jeu d'ombre et de lumière. JMD expose à la fois des gravures et des photos, plus précisément des cyanotypes, nés d'une technique de tirage particulière, assez ancienne, utilisant le bleu de Prusse ou bleu cyan. Moi, je fais de la multi-exposition, c'est-à-dire que je construis vraiment ma photo, étant donné que je n'expose pas une seule fois aux produits cyanotypes, mais je fais au moins 4, 5, 6 fois, ce qui permet d'affiner la profondeur de la photo, des noirs, des blancs. À travers ces toiles exposées sous néon, Balder tente de démontrer que ce que l'on ne voit pas, l'inconscient, la spiritualité, la sensibilité, n'est pas nécessairement inexistant. Alors moi, ce que je fais principalement, c'est jouer avec les couleurs fluo. La couleur fluo donne un aspect plus psychédélique aux toiles, donc de l'art visuel et de l'art musical. Je joue beaucoup avec les sons et la lumière également. Ce qu'il y a avec le fluo, c'est qu'en fonction de la lumière qui est projetée dessus, il y a des choses qui apparaissent et qui disparaissent en fonction de la lumière qui est projetée sur la toile. On termine cette visite avec Krishna Thil, alias Kina, qui a pour habitude d'explorer différentes techniques d'expression artistique et livre ici une série de portraits vinylisés. Equinox automnal décline 8 univers bien différents. C'est à découvrir jusqu'au 29 septembre à la Galerie d'Art Liège, à l'étage de la Galerie Opéra. On enchaîne avec l'agenda. N'oubliez pas que vous pouvez aussi trouver d'autres infos culturelles sur notre groupe Facebook Sortir à Liège by RTC. Mais voici un condensé dans notre agenda. Dans leur nouvel album In a Little Provincial Town, Marc Franquinet, Jacques Piroton, Benoît van der Straten et Antoine Thierry reprennent des morceaux de compositeurs et compositrices liégeois de racine ou de cœur. Bobby Jasper, Jacques Pelzer, Gareth List ou encore Bernadette Motard à découvrir en concert au Centre culturel de Warem le 29 septembre. Mylène et Gérard, c'est une histoire semblable à bien d'autres. Ils se sont aimés, ont fait des enfants, se sont disputés. Leur histoire, c'est la nôtre, celle de l'humanité, que Christine Sumke et Stéphane Strepen partagent à nouveau sur la scène de la Courte Échelle du 5 au 9 octobre. Tu vas me faire une scène parce que j'ai été boire un verre après une journée de merde? Je crois que j'aurais été de meilleure humeur si j'étais rentré tout de suite. Tu n'es pas de meilleure humeur maintenant. Mais non, mais... Aux confins du jazz et du rock indé, Guillaume Vierzet sera en concert ce samedi 24 septembre à 17h au Centre culturel de Huy, dans le cadre du festival Jazz à Huy, avec son nouveau projet Aegis, un travail de pratique instrumentale où le guitariste s'est donné toute liberté. Enfin, le Gratitude Trio, groupe belgo-français de Bruxelles, est annoncé le 1er octobre à l'Anvers, en Outre-Meuse, à Liège. Ce power trio présente son quatrième album, Birth, mélange de groove, de chants contemplatifs et de solo rageurs, une musique à la fois sophistiquée et organique. We'll be right back.
On referme cette émission ici. La semaine prochaine, rendez-vous avec deux invités, deux auteurs, Lynn Alexandre pour son polar La prophétie des nains et François Bautelet pour son recueil de nouvelles Constellation d'un autre ciel. À très bientôt.